Bonjour mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour Hell in a Cell match entre The Undertaker et Brock Lesnar. Et ce match, c'est pas un match comme un autre, vu qu'on se retrouve pour les défis WWE épisode 9. Et j'espère que pour une fois, je vais en gagner un. Mesdames, messieurs, je vais devoir battre Brock Lesnar en moins de 10 minutes dans un Hell in a Cell. Ok, c'est attends, j'ai perdu avec les défis que vous m'avez donnés, mais ils étaient pas si simples que ça. Mais alors celui-là, je te le dis sans problème, je vais le réussir. Je le sais d'avance. Voilà, parce qu'il a pas l'air très compliqué. Et c'est un défi proposé par Espacio Ninja. Et on est maintenant parti avec The Undertaker. Ouais, il m'appelle Undertaker. Hey Undertaker, fais attention à la marche si tu tombes parce que tu commences à vieillir. Vas-y ta gueule, qu'est-ce que ça tu me dis? Hey, tu dis pas ta gueule, moi je suis sergent toxique. Déjà tu me respectes wesh. Comment c'est toi qui me respectes? Comment ça je... Ah en même temps c'était l'Undertaker. J'avais oublié quoi. C'est pas bien les oublis hein. On va faire avec la voix d'Undertaker. C'est pas bien les oublis. N'oublie pas que ton père c'est mon frère. Mesdames, messieurs, l'Undertaker est présent pour The Hell in a Cell match. Battre Brock Lesnar en moins de 10 minutes. Voilà le défi qui a été donné par le Toxico Espacio Ninja. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je pense que je vais répéter dans le match d'abonnés de la semaine, parce que cette semaine va aussi avoir un peu de FIFA et un petit peu de Counter-Strike. Ça va être vraiment une semaine où je vais un peu plus me libérer. Voilà, moi en fait je suis vraiment principalisé catch, mais quand j'ai des petites vidéos, quand j'ai des petites envies de faire des petites vidéos détente sous divers jeux, eh bien je le fais, il y a pas de problème. Et on accueille son adversaire du soir, mesdames messieurs, Paul Heyman Beast. Brock Lesnar, regardez-moi cet athlète hors du commun. Sur WWE 2K16, il sera accompagné de Paul Heyman. Je sais pas pourquoi dans 2K15 ils n'ont pas mis avec Paul Heyman. Je trouve ça totalement con. Excusez-moi, mais je dis le terme. Hein. Je trouve ça con de pas avoir mis Paul Heyman avec lui pour 2K15. Sachant que sur 2K14, Paul Heyman était déjà toujours à ses abords. Bref, je comprendrai jamais la WWE. Enfin, 2K en tous les cas. Vu que là, quoi que si, hein. 2K, je pense qu'ils sont régulièrement, même très régulièrement, même obligatoirement en contact avec la WWE. Donc 2K est forcément, hein, vu que c'est les développeurs du jeu. Voilà, voilà. Allez, on va partir pour le défi épisode 9. Je vais mettre le compteur, bien évidemment, avant que ça commence. Voilà. Bah oui, sinon, c'est la merde, hein. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti le compteur. Allez, on y va. Et tiens, voilà. Ça commence bien. Boum. Et bim, bam, boum. Attention, et on y va. Dulutu, parfaitement exécuté. Attention, encore une fois. C'est parti. Et prends-toi ça. Et prends-toi ça. Et prends-toi ça. Et dégage de là. Voilà. Attention, la descente du genou. Je vais te battre. Boum, coup de poing. C'est contré. Brock Lesnar qui commence à se réveiller. Et c'est la mauvaise nouvelle. Belly to belly avec souplex sur The Undertaker. Attention, et les patates qui va pleuvoir maintenant sur la face du Deadman. On est en plein défi WWE. Je suis plus ou moins en panique. Et c'est parti. La panique est à bord de ce bateau. Mesdames et messieurs, la panique est présente ce soir. Descente du genou de l'Undertaker qui va commencer à enchaîner. Taker qui va maintenant partir du haut de cette troisième corde. Si ça passe et ça casse face à Brock Lesnar, il en faudra plus. Et c'est contré. Dégage de là. Attention, on va le choper. Ça passera pas. On y va. Projection directement dans les cordes. Et bah non, attention Taker. Taker, il l'envoie directement sur bah, là où ça. Why the fuck? Genre tu m'as fait tomber mec. Normal. Non mais vas-y hein, y a pas de souci quoi. Eh mais arrête de me maltraiter là. Ok, merci, au moins il me relève, c'est la politesse, tout ça. Tiens, dégage là. Attention, et encore une fois. Attention, on le prend, voilà. Allez, on va retourner maintenant tranquillement dans le ring. Allez, il nous rejoint. Attention, et du. Moi, je me jette sur lui, je m'en bats les couilles. Allez, on va aller chercher un petit objet, parce qu'on est quand même en hell, in a cell. Et c'est parti. Attention, et tiens, d'accord, très bien. Boum. Attention et boum, attention, elle amasse la back, souplex, parfaitement exécuté. Ma batte de baseball, dédicace au Stinger Sting d'ailleurs dans cette vidéo, on en profitera et boum, why the fuck. Ok, t'es un bâtard, t'es un bâtard. Allez viens là bâtard,
Et prends-toi ça, bâtard. Voilà, et tiens, bâtard. Et tiens, bâtard. Et tiens, bâtard. Et voilà, regardez-moi ça, dans quel état se trouve The Undertaker. Attention, Taker qui se lève, Taker qui se lève, projection. Oh non, 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 ça va faire mal, ça va faire mal. Et la German Suplex. Je l'ai dit, ça va faire mal, qu'est-ce qui se passe? Bah ça fait mal. Oh là 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 là, attention, on y va. Projection, c'est attention, putain, je vais m'envoler. Attention, il va me ramener maintenant avec une souplex là, parfaitement exécutée. Bon, qu'est-ce que je fais? Attention maintenant, les patates qui vont pleuvoir sur ma tête. Ça fait assez bobo, ça fait même très bobo, ça fait super bobo. Il continue, putain, le défi, mec. Je vais le gagner, mais ce serait bien que j'arrive à gagner ce défi. Putain, tu me casses les couilles, là. Ah ouais. Putain, je suis à fond dans le défi, moi. Voilà, c'est bon, c'est contré. Allez, on le chope. Projection directement dans le coin. On arrive et boum, là, voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton petit problème? Dis-moi tout. Tu peux tout me dire, tu sais. Moi, je suis un peu comme un psychologue, tu vois. J'espère pouvoir être pour toi comme un psychologue. Oh putain, je serai pas son psychologue. Pas pour maintenant, en tous les cas. Je crois qu'il va falloir que je passe un Tombstone Pile Driver rapidement, là, parce que faut pas oublier que c'est un défi. Voilà. Et que si je le rate, bah je le rate. Oh là 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 là, calme-toi, là. Voilà, ou doucement, mollo, tranquille. Tout va bien, tout va bien, quoi. Comme le diraient certaines personnes. Voilà, donc je ne prononcerai peut-être pas les noms. Attention, why the fuck? Projection directement dans le coin. Bon, moi je voulais pas le projeter dans le coin à la base. Vous savez quoi, on va l'attendre tranquille. Voilà, projection dans les cordes. Il revient. D'accord. Boum! Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que t'as là? Voilà. Dis-moi, t'as quoi? C'est quoi ton problème? Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, sur les épaules. Regardez-moi ça, Tombstone Piledriver. Et là, est-ce la fin? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que Toxic va réussir son défi comme promis? C'est parti, tentative de tomber. Et un, et deux, et trois. Non, non, non. Le bâtard, le bâtard, le bâtard. Putain, oh putain, oh putain. Ah là, c'est craint, et là, ça craint. Ah, le défi, là, il va être raté. Voilà, putain. Il va être raté. Oh, putain. Non, mais ça sent le défi raté, là. Ça sent le défi raté, encore une fois. Putain. Allez, c'est parti. Projection. Non, non, non. Défi raté. Défi raté. Putain. Mais je peux le réussir facile, hein. Mais c'est juste que je le réussis pas. Et ça va être défi raté bientôt. Et tiens, coup de la corde à linge. Attention. Regardez-moi ça. On enchaîne avec un Snake Eyes. On prend l'élan. On revient. Tiens, prends-toi ça. Encore une fois. Non, non, non. C'est contré, putain. Oh, putain. Oh, putain. Je suis dans la merde. Et là, je suis dans la merde. Et là, je suis dans la merde. C'est fini. Défi raté. Défi raté. Putain, c'est la merde. Ah ouais. J'ai failli le réussir. Mais je l'aurais pas réussi. Donc le défi, il est officiellement raté pour tout le monde. De toute façon, là, je pense qu'on est tous sûrs à 100%. Et si je perds sur ça, c'est la merde. Oui, oh putain, j'ai flippé là. Putain, j'ai peut-être encore un petit peu de temps, une petite chansonnette. Putain, putain. Allez, on enchaîne. C'est peut-être la fin, c'est peut-être la fin. Tombstone, Piledriver, vite, 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 vite. Moi, j'ai 9 minutes 5 sur mon écran. Ça veut dire que je suis peut-être dans les temps. Normalement, pour vous, vous devrez être dans les temps aussi. Allez, tentative de tomber, c'est terminé. 1 2 et 3 et la victoire de The Undertaker. Parce que moi sur mon enregistrement j'ai 9 minutes 20 là. Plus la petite intro au début, enfin mon intro. Mais normalement avec le décompte je suis dans les temps pile. Oh là là, j'ai failli perdre le défi les gars. Ah, j'étais paniqué à la fin. Paniqué. On revoit en tous les cas, ce match a vraiment juste été énormissime. J'espère qu'il vous aura bien plu. Prenez bien soin de vous. Peace.